Emilien qui va disputer sa première finale du championnat de Belgique. Ce sera face à Jean-Michel Sève. 18 ans pour Emilien Van Rossum. Il est le 8e joueur belge et il évolue pour l'instant à Saarbrück. C'est en Allemagne. Il n'est pas le seul Belge d'ailleurs à évoluer dans ce club. Non, bien sûr, il évolue au club de Saarbrück, donc avec Cédric Neutings, qui est donc le jeune espoir néerlandophone, ainsi que Robin De Vos, qui a aussi participé au quart de finale et qui a été éliminé par Jean-Luc. Effectivement. Et ça, c'est un superbe exploit. Il était déjà là à Séoul en 88, alors que le ping faisait son entrée. Grâce à Jean-Michel sur son premier topspin. Ça, c'est superbe. Hein, 2-0, très beau point. Oui, très très bien joué d'Emilien. Il va jouer beaucoup à risque. Hein. Il sait que s'il veut avoir une petite chance d'inquiéter Jean-Michel, il doit jouer beaucoup à risque. Donc il va, à mon avis, on va le voir beaucoup prendre de risques comme il vient de faire ici. Avec Julien Deurerberg, c'était en 2008. En 2008. Au début de match, Jean-Michel qui se méfie toujours des petits jeunes qui arrivent, donc Jean-Michel va directement serrer le jeu et directement il donne pas d'angle à Emilien, il prend directement à la gorge. Ça, c'est une bonne attaque. Il s'était incliné en quart de finale face à Loric Jean, un petit jeune aussi. Très très bien joué d'Emilien. Dans le grand jeu comme ça, Jean-Michel est vraiment très très fort dans les longs échanges, dans les grands marathons. On dirait ses 42 ans. La deuxième par contre lui donne la première manche. Comme l'année passée, c'était Cédric Mercher. Voilà, un long échange remporté par Emilien Van Rossum. Ça avait quand même des faits rentrants, très difficile à maîtriser. Un revers, ça reste dans le filet. Peu de chance, et il s'en excuse d'ailleurs, Jean-Michel. Jean-Michel qui avait bien vu le trou, hein, Emilien s'est décalé du côté revers. Pour Emilien qui prend beaucoup de risques sur cette première balle. Hein. Très très belle. Visez Jean-Michel Sève. Il a tenté aussi. Il bouscule à tous les échanges. À son quatrième match de la journée, et croyez-moi bien qu'il va faire tout pour essayer d'écourter cette rencontre. Et voilà, en tout cas, déjà deux manches. Et ensuite, il joue un peu trop fort cette première balle. De nouveau, Emilien Van Rossum. Ah, très fort, Van Rossum. Oui, c'est très très bien joué, mais alors la finition manque un. Très très bien contré, c'est avec son revers, Emilien. La preuve encore maintenant. 4-3. Michel pour attaquer cette première balle.
C'était bourré d'effets, cette balle remise par Jean-Michel Sève. Très très bien joué du milieu en retour. En revers. Qui est venu agresser au-dessus de la table sur le revers de Jean-Michel. C'est très très bien joué. Encore très très bien joué ce contre du revers. Un bloc en parallèle sur le coup droit de Jean-Michel. Cette rencontre. Encore une fois, Emilien. Surtout dans une grande finale comme aujourd'hui. Imprimé au bal par Jean-Michel Sève. Et il y a Vandrossum qui ne comprend pas pourquoi il faut. Et s'il avait frappé un frappe coupé, on appelle ça une frappe coupée. Jean-Michel a bien relevé sur cette balle un maximum de rotation. Petit point de chance pour Jean-Michel. Un bon retour d'Emilien. Pas se relever hein, cette balle. Attaque de Vandrossum qui revient comme ça à 9 partout dans ce troisième set. Un angle incroyable trouvé par Emilien qui déporte complètement Jean-Michel sur le petit côté de la table. Vandrossum. Très bien. Et elle est suffisante. Et là aussi c'est peut-être un tournant dans cette partie entamée. Ce quatrième set. Ah oui, petit point de chance là d'Emilien Vandrossum qui revient comme ça 3-2. Jean-Mi qui attendait la balle pour jouer un petit bloc court qui était perturbé par ce filet. Un revers qui sort. De nouveau cette attaque en revers. Jean-Michel Sève qui participera donc dans le courant du mois de mars au championnat du monde par équipe avec l'équipe nationale belge à Dortmund en compagnie de notamment Benjamin Rogiers, Jean-Louric et Neutin qu'on a vu cet après-midi dans l'autre partie du tableau. 6 balles de match pour Jean-Michel. Voilà. Alors peut-être un petit peu de chaud comme l'année passée, ça s'est marché, c'est pas sûr. Et la première balle de match est la bonne pour monsieur Jean-Michel Sève. Facile vainqueur d'Emilien Vandrossum. Un 23e titre de champion de Belgique pour notre Jean-Mi national.